Zéro but partout entre la France et la Suisse pour cette rencontre de la troisième et dernière journée de la phase de groupe de l'Euro 2016. Et la France qui est déjà qualifiée, qui joue aussi devant la Suisse qui a 4 points après les deux premières journées d'abord. Je me rappelle, lors de la première journée, la Suisse qui avait battu l'Albanie par la note de 1 but à 0 pour faire jeu égal d'un but partout face à la Roumanie lors de la deuxième journée, pendant que la France, lors de la première journée, s'était imposée face à la Roumanie 2 buts à 1 pour également battre lors de la deuxième journée l'Albanie 2 buts à 0. Aujourd'hui, les deux équipes qui cherchent la qualification s'affrontent pour justement la première place de ce groupe. Je vous rappelle, j'ai le président Jean-Max Mayaka sur ce plateau. C'est donc le président de FC Orange de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez donc suivi d'abord ce match après 45 minutes. Vous l'aviez prédit, hein? Les prouesses de Français Paul Pogba, et il vous a prouvé qu'il était l'un des grands joueurs. Oui, on suit souvent les acteurs, disons les athlètes qui émergent, donc c'est par expérience que je le disais. Mais comme on dit toujours, on ne vend pas la peau de l'ours avant l'avoir tué. Le football a toujours des surprises. C'est comme aujourd'hui avec l'EP Mazembe, on a encaissé à la première minute. Oui. Quand je dis on, donc la République démocratique du Congo. Et comme c'était dans leur temple, comme le disait un ami tout à l'heure, ils ont quand même renversé la situation, donc voilà. Voilà. Alors, la France qui jusque-là tient tête à cette équipe suisse, hein, l'équipe suisse qui, visiblement, après 45 minutes, subit les jeux des Français avec plusieurs assauts, lancés d'ailleurs par Paul Pogba, le sociétaire de la vieille dame de Juventus de Turin. Ce joueur emblématique milieu de terrain français d'origine guinéenne qui est donc en train de permettre à la France de bien se comporter après justement la première moitié de cette partie entre l'équipe nationale française et celle correspondante de la Suisse. Alors, monsieur Jean-Marc Semayaka qui est avec nous sur ce plateau, revenons-en à notre discussion de tout à l'heure, hein, équipe de FC Orange de Kinshasa. On peut d'abord savoir les objectifs que vous avez. Ben, les objectifs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des titres, non seulement des titres, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait parachever certains engagements qu'on a eus et qu'on n'a pas pu achever. Il y a vraiment un grand projet assez complexe de développement du football en particulier, des disciplines sportives dans la République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Et donc, en tant qu'acteur sportif, il est vraiment évident de souvent sortir, faire des prospections. Tout à On fait. a eu le faire dans d'autres contrées, je veux dire, au niveau international. Et maintenant, c'est vraiment une virée nationale pour essayer de voir comment détecter les talents, faire profiter aux différents jeunes dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse et puis. Disons la découverte des talents, comme je le répète là tout à l'heure, je le répète tout de suite, je vais dire Lubumbashi, le Katanga, il y a aussi beaucoup de talents qui sont en train de se chercher. Tout à fait. Alors, vous lancez déjà quand dans la compétition avec le FC Orange? Ben, c'est très prochainement, on a quand même 2 mois pour préparer l'équipe pour aller dans une des compétitions nationales. Mais je dirais, Laquelle il y a compétition? des activités, j'étais encore, parce qu'on n'en est pas encore là, c'est le porte-parole de la société Objet Sportif que je dirige, société de management de l'association sportive Orange, qui est mieux habilité pour donner le programme, disons, je veux dire, le chronogramme de l'équipe. Mais là, comme je dis, il y a de très bonnes choses. Je suis beaucoup plus sur les surprises parce que, bon, c'est vrai que d'aucuns ne s'attendaient pas à ce que ce club voit le jour. Et donc, pour moi, c'est plutôt les actes qui doivent précéder les paroles. Et Voilà. les recrutements, l'avez-vous déjà fait?
Bon, on a pris quand même un grand coach du pays qui a fait ses preuves dans plusieurs clubs, notamment les Stars, le dernier club Motema Pembe, qui a vraiment un profil qui convient. Et comme je suis beaucoup plus pour les locaux, donc comme on a l'exemple avec l'équipe nationale, c'est-à-dire Florent Mbengue, que je salue en passant. Avec toutes les prouesses qu'il est en train de faire, ça nous motive à rechercher les talents au niveau local. Donc il y a le coach Epoma Bolenge Fanfan qui a la lourde charge et tâche de cette équipe. Et donc il est à sa phase de détection. Ça fait 8 mois quand même qu'il encadre certains jeunes. Donc il devait me faire le rapport ou faire le rapport au comité qui est en train de se mettre en place. Déjà en fin de semaine qui vient de passer. Il est temps absent, donc à mon retour, je pourrai savoir ce qu'il en est, mais ça travaille. Alors, la Ça dite travaille. prospection que vous faites ne va pas se limiter seulement à Lubumbashi. Ah non, non. Ah non, je commence par Lubumbashi parce que c'est la deuxième ville du pays, mais je passerai dans les autres villes où on a des grands clubs. Et on essaie un peu de se familiariser, de s'accommoder, d'essayer de prendre l'exemple des grands clubs qui jouent déjà des compétitions, surtout internationales, et voir aussi en passant comment on peut au maximum apporter la petite pierre à l'édifice. Voilà. Alors, quelle relation avez-vous avec, outre les deux grands ou les deux géants du football au niveau de la capitale, le club et le dernier club, Motema Pembe, quelles sont les autres relations que vous avez avec les autres clubs? Ben, c'est ça l'objet de ma visite ici. Personnellement, je n'ai pas de relation soit avec les différents dirigeants d'autres clubs. Mais bon, le football, c'est le loisir. Il faut qu'on soit assez, comment dire, sociable et qu'on se rapproche les uns des autres pour partager les expériences. Et donc, pour moi, j'estimais que la ville de Lubumbashi, la capitale Tu capoglaise préfères, oui. est pour moi la première cible de prospection et puis des contacts. Donc je suis ouvert à tout partenariat, tout type de partenariat susceptible de concourir au développement du sport, de l'encadrement de la jeunesse, de détection des talents. Donc, Alors, un Louchois qui se lève peut-être demain matin pour vous demander de rejoindre le FC Orange, que peut-il faire? ben, c'est ouvert, c'est ouvert. Les coordonnées, vous pouvez les avoir directement ou indirectement. Il suffit de toquer à la porte. D'ailleurs, on vient les chercher, quoi. Donc s'ils sont là, je suis encore ici pour Alors, quelques comment vous jours. contacter pour justement avoir ces Il y a une séances? représentation ici, dans les jours qui vont venir, ou par votre canal, par le biais des médias, donc je suis accessible. D'accord, merci. Alors, je vous rappelle que c'est le président de FC Orange hein, de Kinshasa, Monsieur Jean-Max Mayaka. Merci à vous qui nous écoutez à la radio sur 89.5 MHz. Je vous rappelle que c'est donc Jean-Max Mayaka, président de la formation de FC Orange de Kinshasa, qui est avec nous sur ce plateau pour justement ce plateau spécial de l'Euro 2016. Ce match qui oppose les Français aux Suisses, c'est pour le compte de la troisième journée. Cette journée qui se joue, deux matchs qui se jouent concomitamment. Et donc, dans ce groupe A, la France qui joue à Lille, l'équipe nationale suisse. Et de l'autre côté, c'est l'Albanie qui joue la Roumanie. Les deux équipes qui chercheront aussi peut-être l'une des quatre places hein, pour les troisièmes dans les meilleurs perdants dans cette compétition, comme la nouvelle formule le permet. Donc là, l'Euro 2016, jusque-là, dans la première moitié de cette partie, la France et la Suisse se neutralisent, 0 but partout. Et donc, merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à la grande équipe du côté de la technique. Hein. Je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est donc Jean-Luc Koma Lumba du côté Régie Télé. Merci aussi à.
Cédric Opelele qui nous permet de nous écouter, vous qui nous écoutez à partir de la radio, c'est grâce à Cédric Opelele. Merci également à Isbon Kolelukusa qui est derrière toutes les caméras pour le cadrage, la supervision de Sanga Captiva Kabamba, la programmation de Patrick Adonis Numbi Banzé. Merci à vous qui nous regardez sur la télévision de la culture. Alors, monsieur Jean-Max Mayaka, c'est vrai, le FC Orange qui n'a même pas encore une année. Vous avez déjà donné les objectifs, hein. Vous avez déjà ouvert les portes à tout le monde. Est-ce que vous vous attendez à voir tout le monde ou bien vous allez faire un choix sélectif? Donc je voudrais dire que nous sommes ouverts, le projet est très complexe, très bon, complexe. Quand je vous dis que ça part de notre mandat à la tête du comité de direction du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Donc ça fait près de 4 ans maintenant que nous opérons au pays. On a une expérience de quelques années à l'étranger. Et donc on a pris le temps de nous accommoder un peu à certaines réalités. Je dis que c'est le travail vraiment d'une société, d'un groupement de sociétés. On a créé une entreprise à objets sportifs qui se nomme Iman Sportal, Improve Managing and Sport and Talent. C'est une société à objets sportifs enregistrée au guichet unique des entreprises de la ville de Kinshasa, donc du pays. C'est une première en RDC. Il y a beaucoup d'SPRL qui essayent de faire le football. Donc on a pour objet social la gestion des infrastructures, nous avons l'organisation des tournois, le développement du sport, comme je dis, du football et d'autres disciplines sportives. Donc il y a vraiment tout un projet à court, à moyen et à long terme. Donc pour nous, ce n'est pas les athlètes qui vont nous submerger parce que c'est à plusieurs échelles. Mais là, ici, comme on a lancé l'actif, parce que c'est l'actif qui manquait pour permettre à ce que tout soit réalisable, c'est-à-dire avant de toquer à d'autres portes ou de pouvoir servir les autres, il faudrait qu'on serve tout nous-mêmes. Et en dirigeant un grand club comme le Daring Club Motema Pembe, donc je profite de cette opportunité pour essayer de tirer les tout jeunes, les tout petits à rêver. Voilà, vous projectez, n'est-ce pas, de vous lancer déjà dans les compétitions au niveau de la République démocratique du Congo. Et quel est le délai que vous vous êtes assigné pour jouer les interclubs de la CAF un jour? Vous pensez déjà rejoindre les chemins africains dans combien de temps? Très vite, très très vite. Je vais dire au sein de la structure sportive qu'on a mis en place. Très vite parce qu'il y a des compétences, très vite parce que on n'a pas commencé tout petit, on a commencé plutôt très haut. Je ne vais pas me le répéter, mais là, on veut donner l'occasion, l'opportunité. Aujourd'hui, le football est une industrie qui n'est pas très capitalisée au niveau de notre contrée. Et pour moi, je perds beaucoup plus en tant qu'entrepreneur. C'est plutôt le politique, excusez-moi de le dire, qui gère au plus haut niveau et les mécènes qui gèrent le football dans notre pays. Mais comme on dit, à chacun son travail, c'est tout à fait logique parce que ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'implication et d'investissement. Et c'est pas évident dans les pays comme les nôtres de pouvoir bien les orienter. Et donc nous qui avons eu la chance d'évoluer à l'étranger, donc on essaye d'importer un peu ces connaissances, ces expériences pour essayer d'accompagner le gouvernement, d'accompagner les structures locales, les structures sportives locales. C'est pour ça qu'on a quand même eu cette facilité de mettre en place un agrément au niveau le plus haut de la gestion du sport, c'est-à-dire le ministère des Sports de la République démocratique du Congo. Je remercie le ministre Denis Kambay pour tout ce qu'il est en train de faire pour accompagner ces initiatives, le secrétaire général au sport.